La pose de la première pierre pour la construction d'une école, autre temps fort de la mission de l'ISP Lubumbashi au village Ikishinka. Le chantier déjà activé, la main-d'œuvre commise à la fabrication des briques s'emploie laborieusement à accomplir la tâche. Car les jours ne sont plus que comptés au bout des doigts, l'école devant être opérationnelle dès la rentrée scolaire de septembre 2015. Il faut donc appuyer sur l'accélérateur pour absorber la masse d'enfants à l'âge de scolarisation et qui respirent loin des rudiments de l'alphabétisation. Par voie de corollaire, ils servent de main-d'œuvre dans les travaux champêtres. Dans cette contrée où les maniocs est la principale cible agricole, cette denrée de première nécessité moisissent par manque de routes des dessertes agricoles afin d'évacuer ces denrées vers des grands centres de consommation. Il faut entendre ici le cri de détresse de la population de Shindaika adressé aux autorités compétentes. L'autre conséquence de la non-scolarisation des enfants à Ikishinka, les filles prématurément convolent la noce. Dans cette partie du Katanga, la licence d'exploitation des pédophiles est délivrée sans vergogne par tous les clans. Elles sont nombreuses qui allaitent tout en ayant elles-mêmes la dent de lait. C'est pour lutter contre tout cet art et au regard de sa principale mission, celle de promouvoir l'éducation, que l'ISP Lubumbashi entend jouer un rôle de premier plan dans la transformation des mentalités et le développement de l'entité. Pour y arriver, l'Alma Mater lance un appel à toutes les bonnes volontés, qui un livre, qui d'autre un pupitre. Ainsi jaillira ce projet, ne dit-on pas, que ce sont des ruisseaux qui font des rivières. Notons que très ému de ce geste qui va booster et l'économie et les sociales du village Ikishinka, les bénéficiaires, à travers quelques chansons traditionnelles, ont exhibé des pas de danse, une façon pour eux de dire mille merci à l'ISP Lubumbashi.